Et salut à tous, c'est le Bouto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison au CSK de Moscou, saison numéro 5 qui va se clôturer sur la série La véritable carrière d'un entraîneur. Et donc, nous avons commencé très très loin, on se retrouve quand même au CSK. On a commencé en Sion FC en Corée. Répondre au chat. Donc, comme vous pouvez le voir, on est quatrième. On s'était laissé sur deux défaites, un épisode assez noir, avec la défaite au tir au but face à Anji en demi-finale de la Coupe de Russie, et après la défaite 2-1 à domicile face au Lokomotiv. Ensuite, on a fait un match nul, un partout, à Kuban. Grâce à un but de notre défenseur. Ensuite, on a gagné 1-0 grâce à Vitinho. Et ensuite, on a gagné 4-2 grâce à un doublé de Carlos. Un but de Fedor et un but de Mvila. Malgré deux buts qu'on s'est pris par le petit... Ah ouais, c'était un doublé. Doublé de Albay Mbeng, le Sénégalais. Et là, on va jouer le Spartak de Moscou et Rostov. Le Spartak de Moscou qui a été, il est le champion de Russie avec 65 points. Et nous, on ne sera sûrement pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Et comme vous le savez, on a de gros soucis financiers, 39 millions de dettes. Ce qui fait qu'on n'est même pas assuré de jouer l'Europa League. Ce qui veut dire aussi que notre série va peut-être s'arrêter sur cette saison. A voir ce qui va se passer par la suite, mais peut-être que ça sera la fin de notre entraîneur qui a fait un beau petit parcours déjà, malgré son jeune âge. Peut-être qu'on va clôturer pour reprendre une autre carrière un petit peu du même style. Ou alors continuer, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais peut-être, oui, effectivement, qu'on va se faire virer. Je ne sais pas. Parce qu'on a encore un an de contrat derrière, donc à voir ce qui va se passer par la suite. Donc on est parti face à notre rival pour un match pour l'honneur. À domicile. Donc pour ce match, j'ai choisi de titulariser Carlos, Vitinho, Maximilien, Fedor Smolov, Alan, Yann Mvila, Georgi, le petit grec, Spadjic, Mario Fernandez et Igor. En sachant que Maximilien m'a mis deux petites passes D sur le dernier match. Honnêtement. Et salut à toi, Rayman Power. 91, merci de ton soutien, bienvenue dans l'équipe, n'hésite pas à me soutenir sur YouTube. Et donc on est parti. Ouais, du coup je mets Fedor Smolov à droite, il a marqué un but lors du dernier match. Et Carlos il commence à marquer aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Ouais, peut-être qu'ils vont pas me virer à cause de leurs finances, et c'est possible. Mais honnêtement, je fous vraiment le club dans une merde pas possible. Salut Spawn. Je fous vraiment le club dans une merde. Voilà, à cause de... Du manque d'expérience dans de gros clubs, j'ai envie de dire. C'est un truc qui se passera plus jamais dans mes autres carrières. C'est arrivé une fois, ça ne recommencera pas. Wemblom. Bah ouais, tout à fait. Même si c'est parce que Wemblom, voilà, l'année prochaine il sera plus là, faut que je fasse 100 et puis c'est tout. La dernière rencontre, le CSKA Spartak. Oui, je pense, voilà, si on. Il faut nous venger, bordel. Il faut gagner ce match pour l'honneur. Il faut le gagner. On va éviter les tacles durs. Bon, ils vont jouer offensif, ça c'est bon pour nous. Ça fait bien longtemps qu'on. Souvent on joue contre des équipes qui sont 10 derrière.
et qui joue pas beaucoup. Donc on va faire beaucoup de mauvais pieds. Un pressing sur le milieu offensif centre. On va même faire un marquage aussi. Et pressing sur les latéraux. Voilà, le champion de Russie face à une équipe, une belle équipe du CSKA de Moscou qui s'est carrément rétamée, qui a été vraiment énormissime en début de saison. Et depuis, les groupes d'Europa League, ils ont vraiment eu beaucoup de mal à enchaîner avec le peu d'effectifs qu'on avait. Et depuis, c'est très très compliqué. Je vais pas vous résumer entièrement parce que vous devez connaître un petit peu notre parcours cette saison, mais je pense que c'est honnêtement la pire saison qu'on a pu faire depuis quelques temps. Et c'était vraiment une saison où il fallait pas se louper. C'était une saison où il fallait pas se louper. Et on s'est loupé. On s'est tout simplement foiré. Je centre déjà, je vais pas balancer les ballons dans la surface non plus. On a la possession pour le moment. On a quelques tirs, notamment un cadré. On fait quand même pas mal de fautes. Mais c'est plutôt intéressant. Plutôt intéressant, même si on n'a pas de grosse occasion pour le moment. On joue en rouge, chez nous. On va virer le chat avant qu'il fasse des conneries. Oh, ils sont dangereux. Oh, il le touche. Non, je pense pas. Mais ça va être une touche pour le Spartak. On va leur demander de se concentrer. Concentrez-vous les gars. C'est pas dit qu'il fait un bon match pour le moment. Ouais, nos défenseurs ils sont présents, ça me fait plaisir. Fedor est un petit peu moins présent. Il doit être beaucoup marqué parce que c'est quand même un très très bon buteur. Et la première période, il n'y a pas eu grand chose. Voire rien du tout. Avec calme. Donnons aux supporters de faire de la fête aujourd'hui, bordel. Putain, c'est pour l'honneur, les gars. Il y a tout un stade derrière vous. Le stade, il est quasi plein, je dirais. Une fois. C'est bon pour les finances, ça. Voilà, montrons qu'on mérite pas du tout notre place de quatrième. Et c'est vraiment le cas. On va se prendre un rouge. Mvilla. C'est le gros souci de Mvilla, ça. C'est le gros souci de Mvilla. J'avais pas vu qu'il avait un jaune. Bon, on va perdre ce match. Ouais, on va perdre ce match. Est-ce qu'on peut mettre un étranger ou pas? Non, on peut pas. Et j'ai pas de russe. Bon, on va perdre. On va perdre ce match. Bordel. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon. Ça a été le gros souci aussi cette saison, hein, entre les cartons rouges, les blessures et tout ce qui s'ensuit. C'est dommage parce que, encore une fois, on aurait pu faire quelque chose dans ce match. Du moins, c'était assez équilibré. Et on va sûrement le perdre à cause d'un carton rouge. Bien joué, ça. Bon retour. Ah, oh, Mario. Ah, la passe, elle était pas évidente. Hein. Allez Vitinho, Vitinho peut le faire. Oh, il y a faute là-dessus, monsieur l'arbitre. Oh, le centre. Oh oui, le but d'Alpo. Le but de Carlos. Ça fait 3 buts en 2 matchs. Il est en forme. Je lui donne sa chance et il a saisi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un attaquant qui marque. Là, il était tout seul. Et il s'est imposé de la tête par la suite. Ça fait 1-0. Attention parce qu'on est à 10 contre 11. On risque de craquer assez rapidement. On va leur demander de rester concentré. Premièrement. Ouais, si, carrément, montrer que vous avez du caractère. Et on va faire changer Smolov. Smolov qui a du mal sur ce match. Merde, Smolov, il est russe. Je peux pas le changer. Ah si, je peux faire rentrer Harry au pire des cas. En meneur de jeu soutien.
Harry qui a été très très bon pour son âge. C'était exceptionnel. Saison qui joue un petit peu moins. Et qui peut largement être titulaire. Allez Smolov. Oh le tir. Le tir dommage, c'était complètement sur le gardien. Mais là il faut mettre 2-0 si on veut gagner ce match. Oh le but. Oh le but de Spadjic. Magnifique. Premier but de la saison pour Spadjic. Et ce but est vachement important pour la suite. Avec une petite tête, je sais pas si c'était fait exprès ou il a complètement foiré sa reprise. Et Spadjic était présent pour mettre le 2-0. Et on domine encore ce match à 10 contre 11. On a l'envie de montrer qu'on n'est pas à notre place, à cette quatrième place. L'envie de détrôner pour un match cette équipe du Spartak de Moscou. Ouais, c'est vraiment le bordel. La réglementation russe, ça devrait être pareil dans tous les championnats. Pour faire jouer les joueurs de leur nationalité dans leur championnat. Mais c'est vrai que du coup, c'est très compliqué parce que du coup, les joueurs russes sont très 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 chers. Enfin voilà, c'est vraiment difficile. Vitinho qui fait un très très bon match. Maximien qui fatigue. Est-ce qu'on peut le changer ? De changer là, on peut faire que des changements russes. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire, mis à part faire sortir Vitinho ou Carlos. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Et salut à toi, Matt Shepard. Je viens d'apprendre. Oh le poteau. Le poteau. Je viens d'apprendre d'ailleurs en allant par hasard voir un live d'un certain Larissienne que tu étais un modérateur qu'on appelle un modérateur assez réputé. Est-ce que tu es modérateur d'une grosse chaîne Twitch? Voilà, c'est un plaisir de te voir assez régulièrement sur les lives ou c'était chaud. C'était chaud. Voilà, petite dédicace à Larissienne dans cette vidéo. Et à Matt Shepard par la même occasion. Allez, changement, histoire de bien faire chier notre adversaire. La sortie de Spadjic qui a fait son match et qui est complètement épuisé. Voilà. Pour la rentrée d'un étranger. Le petit Iranien qui va rentrer en meneur de jeu soutien. Pour finir ce match, double changement. Faites perdre du temps les gars. Foutez-leur les boules. Et on va faire encore pire. On va se mettre en défensif. On va gagner du temps. Voilà, ne balancez pas. Jouez court, conservez la balle. Très bas. Beaucoup moins de pressing. Histoire de bien leur foutre les boules. Pour nous avoir pris ce titre. Ouais, on se tire. Seulement un cadré et faut dire qu'on est à 10 contre 11 et on tient bien, ça fait plaisir. Bon, ils vont mettre le but. Oh, ils qui loupent, ils sont vraiment pas en forme. Hein. Allez, victoire 2-0 chez nous face aux champions, ça fait plaisir. Avec assurance, c'est une superbe victoire. Voilà, je suis super content, ça fait plaisir. C'est un super résultat. Ouais, voilà. Merci à eux. Parce qu'à 10 contre 11, ils nous ont soutenus. Et Mario Fernandez qui a été un joueur clé de ce match. Et Vitinho avec 5 passes clés a été homme du match. Magnifique. On va clôturer cette saison par un super épisode, ça se trouve. Il manque un match. Ça se trouve, on va récupérer... non, je pense pas que ça soit possible. Mais admettons, ils perdent les deux prochains matchs. Les deux équipes devant nous. Le Zenit et Angie. On peut peut-être nous qualifier en Ligue des Champions. Non, je...
Je n'ai aucun problème, non, il n'y a aucun problème avec lui. Je suis ravi de ce que les joueurs ont montré. C'est clairement une motivation supplémentaire. Suspendu. Mais je lui en veux pas, comme on a gagné le match. Il va prendre qu'un avertissement, mais je regarde quand même parce qu'il me semble qu'il a déjà pris un sacré, peut-être 3 cartons rouges quand même. Mais voilà, notre moyenne c'est de 40. Au milieu de terrain, il est assez engagé. J'ai pris 2 cartons rouges. Bon, on va lui mettre un avertissement. Allez, juste un petit avertissement. C'est pas non plus une faute dangereuse, c'est 2 cartons jaunes sur 2 petites fautes. Voilà. Et donc, il nous reste 8 jours. Voilà, il y a 8 jours à faire. Il y a 8 jours à faire. Encore. On va essayer de clôturer notre saison face à Rostov. En bien clôturer notre saison. Même si c'était une saison assez noire pour nous. On va essayer vraiment de montrer nos valeurs. Mais ce qui m'embête vraiment, c'est le déficit du club. Voilà. J'ai envie de dire, on fera beaucoup mieux l'année prochaine, mais si on n'est pas qualifié en Europa League, on n'aura que la Coupe de Russie et le championnat pour pleurer. Parce que voilà, l'Europa League, avec un déficit tel, on va être complètement viré. À voir, je ne sais pas du tout l'avenir. Notre avenir est incertain. Complètement incertain sur cette fin de saison pour l'année prochaine et pour la suite de notre carrière, la véritable carrière d'un entraîneur. Donc voilà, restez informés et on va sûrement faire une courte petite pause étant donné que les chargements sont un petit peu longs, donc je vous dis à tout de suite. Et donc on se retrouve pour le dernier match de ce championnat. Et pour ce match, j'ai décidé d'aligner seulement 2 milieux centres et donc enlever un milieu défensif à la suite de la suspension de Yann Mvila pour le dernier match. On aurait pu mettre Wemblom. Ah oui, on peut mettre Wemblom pour son dernier match. Quand même, après tout ce qu'il a apporté, c'est un superbe joueur. En plus, du coup, on a besoin d'un petit milieu récupérateur. Avec Alan, Maximilien, Vitinho, Carlos, Fedor Smolov. Ouais, je prends les joueurs vraiment qui ont apporté à cette équipe. Mais bon, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. L'année prochaine, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui vont rester hein, quand même. On verra bien. Donc, on va partir en contrôlé, en souple. Même à l'extérieur, je pense qu'on peut largement gagner ce match au vu de notre forme. Allez, on est parti. On est parti. On va espérer gagner ce match. C'est vrai que c'est la première saison où j'ai fait des épisodes avec 100% de défaite. Alors pourquoi pas pour finir cette saison catastrophique, un petit épisode 100% victoire, ça serait cool. Ça serait plutôt cool. Alors. Oui, on n'est pas assuré d'être quatrième parce qu'il y a Ural à 2 points. S'il gagne, il nous passe devant. Mais on est favori. On est favori. Et je veux gagner ce dernier match. C'est pas grave pour Yann Mvila. Il y a de bons joueurs encore. On va éviter des tacles durs et c'est une compo assez offensive, dis donc. Ouais. Qui joue beaucoup au milieu de terrain. 3 attaquants, c'est chaud. On va essayer de la gérer. On va essayer de la gérer. Allez, on est sur une bonne série. Je veux un gros match aujourd'hui. Pas très motivé. On va leur dire qu'on croit en eux. Je crois en vous, les gars. Voilà, ils sont un petit peu plus motivés, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Est-ce que Carlos va encore marquer sur ce match? Ça serait bien pour la suite. Ça serait plutôt cool. On commence mal. Les 5... Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Allez, c'est parti. Mario Fernandez, exceptionnel ce joueur. Smolov. Par contre, Mario Fernandez, c'est sûr que si on est pas en Europa League, il joue pas l'année prochaine. Il joue pas. Il s'en va. Vitinho, allez Vitinho qui lance. Oh dommage. Quel arrêt.
Allez, la touche. Vitinho encore pour Carlos. Qui remet encore. ça joue merveilleusement bien. Attention à la contre-attaque. Bonne couverture de Sokratis. Wemblom. Alpo. Avec Vitinho encore. Il en touche des ballons. Bon là il s'est fait reprendre mais il en touche. Il en touche le garçon. Oh bien joué Wemblom. Le bon retour. Et la contre-attaque peut-être. Oh oui magnifique Vitinho. Vitinho le centre peut-être. Il va décider de tirer. Voilà. C'est vraiment l'aspect de Vitinho. Où il a un angle complètement fermé. Il va quand même essayer de tirer. C'est là où je voudrais qu'il joue un petit peu plus collectif. Allez deuxième corner. Nos centres ne fonctionnent pas. Allez Vitinho qui touche énormément de ballons dans ce match. Vitinho encore le centre peut-être. Oui le centre. Le centre maintenant. Oh dommage. Allez on joue le ballon à la surface. Parce qu'on a du mal. 66% de possession par contre on est excellent. Salut Gargarine. Ça fait longtemps, comment vas-tu? Oh il y a le petit souci. Le petit souci technique. Oh le but. Non, voici le but. Oh la défense. La défense et le gardien ont été présents. Oh. Un bon retour au Wemblom. C'était foiré et il s'est bien rattrapé. Allez, en 12 minutes, il y a eu énormément d'occasions. Wemblom, il fait vraiment peur. Oh l'arrêt. L'arrêt de Igor. Aïe, 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 aïe. Ils reprennent un peu du poil de la bête, Rostov. Ils ont les occasions. Par contre, au niveau possession, on était devant. Et là, il recommence à avoir le ballon. Ça, c'est pas bon. On va leur demander de se concentrer. Allez Vitinho. Allez Vitinho encore. Avec Maximilien. Oh c'était nul ça. Oh bien joué. Carlos il s'est battu. Allez Vitinho. Vitinho le centre. Le centre Vitinho. Ouais. Oui Carlos. C'est ça. Il n'arrête pas de marquer sur cette fin de saison. Je pense que l'année prochaine il peut largement être titulaire. Mais de rien Gargarine. Quand tu dis ça, j'ai l'impression d'être un streamer qui a je sais pas combien d'abonnés. C'est ce que ça me faisait quand Laresienne il s'est abonné à. Ah, je sais même pas si Laresienne. Si Laresienne il s'est abonné. Oh punaise. Oh punaise. Putain. Égalisation. Rostov. Mais ça me fait plaisir. T'as plus de 155 abonnés. J'ai 200, un peu plus de 200 abonnés. Ouais, c'est pas grand chose. C'est naturel. Tu le mérites. Bon, on maîtrise ce match au niveau de la possession. Par contre, défensivement, putain, qu'est-ce qui se passe, les gars? Allez, le grec, il a un petit peu de mal. Les deux défenseurs centraux. Allez, les gars, on y croit. Restez dans votre match, bordel. Concentrez-vous. Bien joué, Spadic. Bonne récupération. Allez Maximilien. Voilà tu décales sur Smolov. Smolov il peut faire la différence. Il l'a fait Smolov. Encore sur l'aile. Le centre. Ou Carlos. Vitinho. Putain. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Allez. Le corner. C'est récupéré par Carlos encore. Mario Fernandez. Spadic. Bah comment vous coupez l'action comme ça là. 2 minutes de temps additionnel. On va rester sur ce score. Ah, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Avec assurance. Prenez votre revanche, les gars. Prenez votre revanche. On est largement au-dessus. Allez, on débute. Il faut être un peu plus solide défensivement, mais sinon, c'est plutôt pas mal. Ça commence fort. Direct. Avec Vitinho qui perd le ballon assez rapidement. C'est quand même équilibré au niveau des tirs. Oh bien joué Wemblom, bonne récupération, c'est ça que je veux. Vitinho qui lance Carlos qui s'en sort. Oh, il est magnifique de la tête Carlos. Au niveau de l'accélération aussi, il est juste magnifique ce joueur. Pourquoi je ne l'ai pas fait jouer plus souvent? Oh Alan, il a failli marquer un but. Allez Wemblom, bonne récupération encore. Allez à droite, voilà Mario Fernandez, le meilleur passeur décisif de cette équipe. Oh putain.
Ouais, c'est vrai, Gargarine. J'ai une moyenne maintenant de 10 personnes. Ça fait plaisir, mais il n'y a pas de secret. Pour, comme dit... oula, Guigui. Oh putain. C'est pas mérité. Comme dit Guigui, faut liver assez souvent pour que les gens viennent assez souvent aussi. Voilà, il n'y a pas de secret. Il faut que ça plaise aussi. Mais je pense que... voilà. J'ai bien aimé ce que j'ai vu en tout cas. Croatie-Portugal 0-0, ouais. Par contre, nous 2-1, ça fait pas plaisir, putain. Allez. J'aurais dû le faire à la mi-temps. Je pensais que ça allait mieux. Ça allait s'arranger. Mais non, ça ne s'arrange pas. On va mettre Vitali. On va mettre Vitali. Est-ce qu'on passe un peu plus offensif? Non, pas tout de suite, ça sert à rien. Sinon, ouais, on va faire. Bon, on va seulement faire ce changement-là. Allez, on y croit, bordel! On va leur dire. On peut rien leur dire pour l'instant. Wemblom. Avec Alan, Vitinho. Wemblom encore. Ah non, ils étaient hors jeu, je pense. Allez, à la tête de Mario Fernandez. Allez, Smolov, non. C'était pour Carlos. Mario Fernandez qui récupère. On est magnifique. On récupère assez haut. Ça fait plaisir. Smolov. Avec Maximilien. Mario Fernandez, le passeur décisif peut-être sur ce match. Non, c'est pour Smolov. Mario. Alan. Oh, le but. Oh, il est magnifique. Il est magnifique et c'est mérité. Je suis pour la Croatie. Moi, j'ai bien envie d'être pour le Portugal. Parce que j'ai beaucoup aimé leur jeu. Ils n'ont pas été récompensés. Il est chaud le match, il est chaud. Voilà, j'ai pas eu besoin de me mettre en offensif. On va leur dire de montrer qu'ils ont du caractère pour aller décrocher cette dernière victoire. On a la possession à l'extérieur, on a les tirs, on a tout ce qu'il faut. Ah, c'est magnifique comme match. C'est bien longtemps qu'on faisait pas un si beau jeu, quoi. C'est dommage que défensivement ça suit pas derrière. Mais ça fait vraiment plaisir de les voir aussi, aussi bons. Quel beau décalage! Le centre! Smolov! Oui, Smolov! Enfin, j'allais dire, faut 17 buts. Le meilleur buteur de ce club pour cette saison. Mon petit Smolov que j'ai fait revenir de Nantes. J'ai eu un petit peu peur au début, au vu de son rapport. Mais voilà, il fait le taf. Même si il n'a pas un superbe rapport au niveau des recruteurs, il a fait le taf. Ça montre qu'il ne faut pas toujours se fier aux étoiles. Parce que je l'ai payé quand même assez cher, comme c'était un russe. 3-1. Ça fait plaisir, Maximilien, qui fait encore des passes D. C'est bon pour l'avenir, ça. C'est bon pour l'avenir. Du coup, on va... Pontus Wemblom. On va faire entrer N'Golo Fulgini, le petit français. En meneur de jeu, en retrait défensif. Et putain, doublé de Carlos. Doublé de Carlos. Et c'est tout pour le moment. On a déjà fait deux changements. On va faire jouer un petit peu N'Golo. Allez, le petit pressing, faut pas qu'on perde ce match. On mérite de le gagner ce match. Allez, Chennikov qui joue avec la sélection nationale. Smolov. Oh oui, Alpo, le triplé. Mais c'est quoi ce joueur? Pourquoi je ne l'ai pas fait jouer plutôt? Il est monté en puissance. Il a eu du mal à marquer. Et je lui ai fait confiance et je l'ai mis titulaire pendant pas mal de... Ah tiens, ils disent qu'il est hors-jeu. Là, il est hors-jeu. Là, il est plus hors-jeu. Là, il n'est pas encore hors-jeu. Là, il n'est pas encore hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Allez. Ça c'est fait. Allez, dernier changement. 4 buts à 2. On retrouve notre attaque d'antan. Et on va faire rentrer Harry. Parce qu'il nous a beaucoup apporté cette saison aussi, le petit Harry. Oh là là. J'aime quand mon équipe joue comme ça. Ça fait plaisir. Il manquerait plus qu'on puisse vraiment aller en Europa League. Et ça serait nickel. Ah,
Ah, c'est sûr qu'avec le taf, les lives, c'est pas toujours évident. En ce moment, c'est vrai que comme c'est un petit peu les vacances, que j'ai envie de profiter aussi de la vie extérieure, je fais beaucoup moins de lives, beaucoup moins de vidéos YouTube. Mais voilà, c'est. Je reprendrai bien évidemment parce que j'aime beaucoup les lives, j'aime beaucoup les vidéos. Non, j'ai pas du tout vu ton mercato. Enfin, j'ai vu un petit peu les joueurs où tu étais intéressé, notamment par un Turc. Mais sinon, j'ai pas vu. Donc, on s'impose pour ce dernier match de la saison et donc on finit quatrième. Bien joué, les gars. Voilà, on est qualifié pour l'Europa League. On finit donc quatrième avec 55 points à un petit point de Angie du Zénith. Dommage. Dommage. On a retrouvé notre gloire d'antan très, très, très tard, malheureusement. Malheureusement pour nous. Ouais, parce qu'Angie perd contre la Volga. Bravo la Volga. Et le Zénith qui gagne quand même, tiens. Ils ont dû perdre un match. Ça fait plaisir. Voilà, on va pouvoir clôturer cette saison qui a été très longue, très difficile au niveau des blessures, des cartons rouges, des résultats. Mais voilà, on a fait un très bon début de saison. On a été très touché par le groupe en Europa League. On a quand même réussi à se qualifier. Mais on s'est malheureusement, par un manque de finition, de réussite, on s'est imposé, enfin, on s'est incliné face à Séville. Et on s'est incliné face à Angie qui a été qui a gagné la coupe. Ah, c'est formidable. Ah oui, je suis très heureux, je suis très heureux. Ah, il a été fantastique, Mario. J'aime beaucoup ce joueur. Franchement, sur ce match, la clause de Smolov. Ah merde. Ah oui, il y a ça qui va tomber aussi, les clauses. Donc, on se qualifie pour l'Europa League. Mais voilà, on n'est pas sûr. Et on gagne 5 millions. On gagne 5 millions. Du coup, on a une perte de 35 millions. On a une perte de 35 millions. Il faut qu'on arrive à vendre certains joueurs. C'est vachement important. Ouais. Il va falloir en vendre si on veut espérer se qualifier pour la Ligue des Champions. Du coup, oui, ils sont pas très contents les dirigeants, dis donc. Oui, parce qu'ils voulaient qu'on remporte la première ligue. Du coup, comme Angie se qualifie en Ligue des Champions. Ural se qualifie en Europa League quand même. Et voilà. Voili, voilou. Mis à part l'Europa League, en fait, on n'a pas du tout rempli nos objectifs. Saison catastrophique, je l'avais dit. Mon déficit, c'est dû à mon dernier mercato. C'est dû à mon dernier mercato. J'avais vraiment très peu de joueurs. Au moment de bou J'ai eu beaucoup de blessés. Et à des moments, j'avais genre 3 mecs sur mon banc de remplaçants. Du coup, au mercato hivernal, j'ai dû vraiment faire un mercato. Et du coup, bah voilà, j'ai eu une perte de 35 millions qu'on n'a pas réussi à combler malheureusement. Mais je vais vendre des joueurs, je pense, pour essayer peut-être de rattraper ça. Parce que j'ai vraiment envie de me qualifier en Europa League si les dirigeants me laissent le choix. Donc on va faire une courte pause, le temps d'avoir les derniers stats de la saison. A tout de suite. Ça marche, Gargarine. André Martin. Ouais, souvent quand ils sont en fin de contrat, ils ont une valeur un petit peu plus basse. Et du coup, quand tu les recrutes et que tu leur donnes un bon petit contrat. Oui, il me semble. Oui, on est quasi pareil. De tête. Oui, il me semble. Je voudrais pas dire de bêtises, Matt Shepard, mais il me semble qu'ils sont alignés à. Oui, parce que les championnats anglais et comment ça s'appelle? Les français se sont terminés il n'y a pas longtemps. Donc, oui, ils sont alignés. Et en fait, ils ont juste mis une période un peu plus longue de vacances. Il y a genre un mois et quelques de trous au milieu de la saison. Enfin, même pas au milieu de la saison, sur la fin de saison. Ce qui permet de s'aligner sur les pays occidentaux exacts. Voilà, Matt Shepard. Donc, merci à toi, Gargarine. À la prochaine. Donc voilà, on va essayer de vendre des joueurs. Putain, la Volga, est-ce qu'ils du coup ils sont sauvés? Ils ont fait une superbe saison. Chapeau.
Ouais, putain, ils sont sauvés, quoi. Chapeau. C'est le Dynamo de Moscou qui... Quand je dis que depuis qu'ils ont été disqualifiés à cause de leurs finances en Europa League, depuis que Valbuena, du coup, est parti, pour vous situer un petit peu le temps, ils font vraiment de la merde. Bon, nous, on n'est pas terrible non plus. Ah non, ça, c'est la Volga, j'ai eu peur. Donc il y a Spadjic, Vitali. Musa. Ah ouais, je kiffe ce joueur. Putain, 26 millions quoi. On pensait que Romain était capable de prendre un part à la lutte pour le titre. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Je pense que c'est les blessés qui ont tout niqué. Mon manque de joueurs qui ont vraiment tout niqué sur cette saison. Ouais, c'est dommage. Et ça se trouve, on va se faire virer. attendez. Plutôt satisfait de votre bilan à la tête de l'équipe. Ah. Bon. Enfin, regardez tous les blessés qu'on a eu, quoi. Enfin, voilà. C'est ouf. Renvoyer, bilan de la saison pour la Volga. Ils sont maintenus ces petits ces petits Russes. Donc on va parler au capitaine. Ouais, ça marche. Ah d'ac. Alors je vais te dire, dans le chat, matchez pas. Oui, effectivement, ils se sont alignés avec les vacances, on va dire ça comme ça, vacances de merde, de plus de un mois et demi, voilà. Alors j'allumais la lumière de mon salon parce que je vois plus rien. Alors j'ai envie de dire, avec l'effectif qu'on a, l'année prochaine, je pense qu'on est capable de remporter le titre. On va dire qu'on est capable de se qualifier pour la Coupe des Champions, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu mécontent. Ah, il y a quand même 18 joueurs. Je pense que nous manquons d'ambition. Ouais. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ouais, on aurait dû dire qu'on allait chercher la première place. Mais il va falloir vraiment... ouais, j'attends de voir quand même. J'attends de voir. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, on pourra vraiment jouer l'Europa League et le championnat. Si on est qualifié en Europa League. Et j'ai encore oublié de... Varane. Un petit peu cher. Non, je pense pas que j'ai... Bah... Si, il me faudrait à la rigueur un très très bon défenseur russe, mais c'est très rare, c'est très très rare. Ah, j'ai quand même un budget de 13 millions quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à vendre là tout de suite des joueurs assez chers. Putain, il y a grand intérêt là. 20 millions, c'est pas grand chose pour un mec qui vaut 14 millions. Putain, 35 millions de déficit, c'est pas terrible. Bah si, j'ai eu, il me semble, j'ai eu 1 million pour les droits TV en Europa League. Ouais, mais j'ai vu l'Irlande, comment ça s'appelle? Pologne, non, c'était pas Pologne. Pays de Galles. Irlande du Nord, Pays de Galles, c'est pareil. Ils ont très mal joué,
Les Gallois. Y a qui d'autre aussi qu'on peut vendre? Et là, il va falloir qu'on fasse au moins deux grosses ventes. Carlo, j'ai pas envie de le vendre après la fin de saison qu'il m'a fait. Il n'y a personne d'autre qui a observé. millions de budget. Ouais, c'est pas énorme. 10 millions 5, ça fait beaucoup, putain. 10 millions 5 pour un club promu en D1 belge. Après, voilà. Il y a aussi mes comptes bancaires. Il y a aussi mes comptes bancaires. Bon, tu t'entends pas, mais je vais te le montrer avec ma petite souris. Il y a les comptes bancaires qui font que, voilà. Parce qu'on a quand même eu un déficit de 35 millions cette saison. C'est aussi pour ça qu'on... On n'a pas non plus un budget de transfert de ouf. Mais bon, maintenant j'ai une superbe équipe, je pense. J'ai vraiment de beaux joueurs. Même s'il va y avoir quelques départs, je pense que je vais pas avoir besoin de beaucoup. Ouais, va falloir que je vende des joueurs. Mais c'est difficile. Difficile de... De savoir qui. Je pense que le grec, je vais le faire partir. Il a fait un an, le petit grec. C'est pas dit que je pense que je vais le garder. Le grec va sûrement partir. Il a pas fait non plus une saison de... Enfin, il l'a fait, mais il était quand même assez irrégulier pour un joueur cadre. J'en sais trop rien. Je sais pas. Le problème aussi qui se pose, c'est que les Russes, pour recruter des Russes, c'est vachement difficile. Ah, Pays de Galles, ils sont franchement, après ce qu'ils ont fait, c'est quand même étonnant qu'ils arrivaient, qu'ils ont pas réussi à manger l'Irlande du Nord, quoi. Ça, s'il y a des Belges, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Guigui, mais... Défenseur central. Pas trop mauvais, pas trop cher pour un promu de D1 belge. Ça fait très longtemps que j'étais pas en Belgique. Donc c'est vrai que... Ça me paraît compliqué. Mais pareil, pour en revenir à Croatie-Portugal, c'est vachement haché par les fautes aussi. Hein. C'est quoi ces maillots de la Croatie, quoi? Un défenseur central belge, putain, je... Ça fait très longtemps que j'ai quitté la Belgique. Quand j'étais à la VWM. Et j'étais en... J'avais le niveau, en gros, de division 2, quoi. Un défenseur ouais, mais ils ont fait aucune occasion, quoi, quasi les Pays de Galles. Alors voilà, quoi, j'ai plus vu ouais, presque l'Irlande du Nord aurait mieux. J'aurais préféré que l'Irlande du Nord se qualifie au vu de leurs prestations, quoi. Ouais, 16 millions, pff, ouais, c'est encore trop juste pour 35 millions. Pour ça, 20 millions, ça aurait été nickel de le vendre 20 millions. Il m'aurait resté 10 millions. Vendre un joueur à 10 millions. Ouais. Si
Si, il y a lui en défenseur. Il y a lui. C'est un bon petit défenseur. Pour de la D1 belge, peut-être, je sais pas. C'est un niveau pro de la D1 belge. Leandro. Putain, tous les joueurs qui. Ouais, bon du coup j'ai pas réussi à le vendre, c'est ça? J'ai combien de joueurs en tout là? En vrai, il y a pas mal de joueurs qui sont... Fujini. C'est de la jeunesse. Lui, bah je le garde, hein, il est titulaire. Prolove, il va partir. J'en aurais pas besoin. Vitali Nikita. Ouais, c'est deux joueurs défenseurs russes en fait. C'est ça le truc. C'est mes deux seuls défenseurs centraux russes. Spadjik. Pontus Wemblom, il va partir. Il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Après ça c'est des petits jeunes. Roche, c'est ma doublure. Je peux jouer aussi en milieu gauche, milieu offensif gauche. Doublure à gauche. Natko, je voulais le vendre. Mais il n'y a personne qui est intéressé par lui en fait. Yann Mvila. D'ailleurs je vais peut-être baisser. Non, j'ai même pas spécifié un prix. Yann Mvila, je le garde. Alan, je le garde. Lui à la rigueur, voilà, c'est un petit peu vieux. Mais c'est pareil quoi. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va en vouloir? Tozic. Voilà. Après, faut pouvoir les remplacer quoi. Fedor Smolov. J'aime bien ce joueur. Quand même un des meilleurs buteurs. Enfin, le meilleur buteur de cette saison. Bonne chance, Smoothie. Harry, il va pas faire long feu parce qu'il a quand même 34 ans. 34 ans le gars. C'est dommage parce que c'est un russe. Trifo, Carlos. C'est mes deux seuls attaquants avec Smolov. Je pense pas que. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, je vois pas qui c'est que je peux. Putain, la vidéo elle va durer 2000 ans pour faire la coupure quoi. Il s'est foutu, il a pris un coup de pied dans le cul le mec. T'as rien compris quoi. C'est ouf. La Ligue des Nations, c'est cool ça. C'est qui ça? Ouais, mais ça c'est pareil, c'est pas un russe quoi. Ah, il y a deux sélections. C'est cool ça. Ouais. Bon, du coup, il n'y a pas eu les. Ah, si, il y a eu en fait, ça se trouve. Ça se trouve, j'avance depuis tout à l'heure, mais il y a eu le rapport de fin de saison. Il y a eu. Allez boulet. Et re donc on se retrouve pour le rapport de fin de saison. Donc il y a eu des joueurs ajoutés, notamment Spadjik, Vitali, Yuri. Ah, Yuri qui a été mis dans les remplacements. Avec Trifonov aussi. Ouais. Ouais, c'est cool ça.
Donc Mario Fernandez a été élu par les supporters le meilleur joueur de la saison, suivi de Alan et de Georgie. Voilà. But de l'année, c'est Harry. On va le voir. Donc je sais pas si je reste encore un an. On va attendre de voir comment ça se passe. Mais oui, si on se qualifie pour l'Europa League, pourquoi pas rester un an de plus. Mais malheureusement, j'ai un petit peu d'espoir, mais d'un autre côté, ça risque d'être compliqué. Donc à voir. À voir. J'ai bien envie de rester un an de plus, mais ça risque d'être le gros bordel si on n'arrive pas à se qualifier pour l'Europa League. Alors, c'était face au Zénith. Bon, avec le souci d'animation, on voit pas bien. Et ça m'a pas l'air d'être un super but non plus. Recrue de l'année, c'est Yann Mvila avec 4 millions. Jeune joueur de la saison, c'est André Trifonov. Et donc, pour clôturer le tout match de la saison, c'est le 2-0 face au Spartak qu'on vient de voir dans l'épisode. Et un moment oublié, c'est le 2-0 face à Terek. On en a rempli notre stade à 34%. On a utilisé 25 joueurs au total. Et on a perdu en demi-finale au premier tour éliminatoire direct en Coupe Euro. Et on a fini quatrième. Voilà, on pensait les joueurs du CSKA de Moscou capables de prendre part à la lutte pour le titre en première ligue cette saison. Mais ils n'ont pas su répondre aux attentes et leur qualification continentale ne fera pas oublier le fait qu'ils auraient dû faire beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Ouais, ils sont contents du recrutement d'Yann Mvila. Ouais, ils sont contents par la forme aussi de notre défenseur gauche. Ouais, ça n'a pas été terrible en championnat, je suis d'accord. Donc voilà, c'est la fin de saison. On peut faire un petit tour au niveau des championnats. Autres, notamment Barcelone qui a largement gagné la Roma. À 2 points de la Lazio, Benfica, Liverpool, dédicace à la Ricienne. Liverpool, 38e journée, est-ce que c'est terminé? Je ne sais plus. Mais il serait champion, tiens. C'est ouf. Bah oui, c'est terminé, donc ils sont champions. Galatasaray qui gagne le Shakhtar pour changer, Paris Saint-Germain pour changer. Et donc en Allemagne, on va aller voir ça. On s'en fout, classement. Voilà, Dortmund, le Bayern, qui a vraiment du mal. Qui a vraiment du mal, mais maintenant ils sont en Ligue des Champions, ils vont nous laisser tranquille en Europa League. Ça fait plaisir. On peut regarder Metz, où ils en sont dans ma carrière. Ils sont en Ligue 2. Ils ont fini premier. Ils vont aller en Ligue 1 l'année prochaine. Ils vont aller en Ligue 1 l'année prochaine, j'ai l'impression. Ouais. Ils vont en Ligue 1 l'année prochaine avec le Stade Rennais. Donc voilà, on va pouvoir clôturer tout ceci. On va regarder un petit coup la Champions League pour clôturer le tout. Non, c'est Coupe des Champions. Autant pour moi. Ça doit pas être encore terminé. Voilà, ça sera la Juve face au tenant du titre, le Real Madrid. Donc voilà, on va finir là-dessus. Donc c'est Paris, le champion en Europa League. Et on se retrouve donc l'année prochaine pour la saison numéro 6 pour voir. Donc dites-moi si vous voulez plutôt la retraite ou plutôt essayer de continuer au CSKA ou encore carrément d'essayer de partir. Mais ça risque d'être compliqué. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter. Et bien sûr à vous abonner, continuez, ça fera vraiment plaisir. Et nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut à tous.